coup, je lance une petite VOD. Bonjour. VOD, nous sommes sur Resident Evil 4. Le retour de Léon, le crush d'une génération. Et j'ai apparemment des mallettes à ouvrir. Je vais regarder ça tout de suite dans l'onglet mallettes avant de lancer le jeu, mais... C'est dans bonus, non? Boutique, modèle, défi, crédit. Option? Non. Non. Bah, ils m'ont dit il y a une mallette dans l'onglet mallette, mais ils m'ont pas dit où c'était. C'est pas grave. Ma Xbox! Foutez-en pire. On verra. Alors, on est en quoi? Ça, c'est compliqué, ça. Pour les joueurs qui ont joué... Ah mais oui, mais j'ai complètement joué à Resident Evil 4. Plus fort, défi plus difficile, certains objets coûtent plus cher. Il est possible de passer en mode facile lors d'un game over. Oh allez, en hardcore, bien sûr. Allez, allez, je le mets dans le titre, ça va faire venir les gens. Je me cache. Ma manette est vibre. Faut que je la débranche, ça va être chiant. Sur les machines à écrire. Ah! Changer Diablo 4. 30 septembre 1998. Une date gravée à jamais. C'est le moment hanté. On va le voir. Le flic en moi est mort ce jour-là. Oh, bubou. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi ça à m'en sortir. Ça a été de parapluie. Beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement. Il est tellement mystérieux. On presque ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. J'aime beaucoup son doubleur, moi aussi. Si seulement je pouvais. Il va très très bien. La douleur. XX Dacleon XX. Cette fois, ce sera différent. Sur YouTube, ils ont pas de pub, la chance. Du coup, j'en profite. Oh, attendez, attendez. Besoin de. Admirer, quoi. Zac Efron, c'est mon perso préféré, très cité, c'est vide. Oh, tais-toi. Qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? Tu sais, c'est le tout du coup du monde. Ah, du coup, j'en profite pour faire un pub de la chaîne Diox, tout à fait. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Diox, c'est vachement cool, je trouve. Hein. Toute objectivité, tout à fait. Ça doit être quelqu'un de très important, hein. Les ordres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Bah, j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Il a de l'humour en plus. T'as un drôle de sens de l'humour, toi. Je vais te confier. Regardez la route tous les deux là. Et ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Starsky Hutch. Ah bah c'est en Espagne, hein, donc ce serait plutôt. Bah alors. Je sais pas. Que pour vous, ça devrait être la routine. Ce serait plutôt Pietro. Et Ricardo. Certains goûteraient tout ce qu'il faut pour m'aider. J'ai pas compris, il aime pas les barbecues. Non, non, il a dit, il aimait bien. Il va en faire un avec moi bientôt. Non, je pense qu'il va en faire un avec un thé surtout. C'est Palmade. Non, mais non. Comment c'est pas avec Palmade? Putain. Ah, les pires. Besoin naturel. Je reviens tout de suite. Et moi? Mais oui, c'est ce que j'ai dit, t'inquiète pas, je me suis rattrapé. Tu as bebido el bar entero? Ça, on l'a vu dans la démo, ça. On l'a vu dans la démo. We saw the demo. Cigarette? Il fume pas, quel homme. Il va se faire croquer là.
Bon, j'ai pas l'autre mot, mais... Couille. Jambe. Et dire qu'on pourrait niquer la VOD avec des text-to-speech, mais trop cher. Ah bah ouais. Hein. Faut que je les mette cher, sinon vous ferez que ça. Pas le choix. Il fume pas quel homme, mais il a les mêmes réflexions. Où est-ce qu'il est parti l'autre? Pourquoi il est parti solo? C'est ridicule. Eh ben dis donc, il a mis du temps. Il est tombé ou quoi? Du mal à rembarquer son paquet. Pas d'aller voir ce qu'il fait. Éteins le moteur, toi. Je reste dans la voiture. Oui, bah oui, on a compris. Oh bah surtout qu'ici, effectivement. Putain, tu pars d'une aide. Pourquoi c'est à Léon d'aller voir? Parce que l'autre ne veut pas. Je pense que l'autre a juste la tétraflemme. Peut-être mettre mon image un peu plus petite. Excusez-moi, j'espère qu'on n'aura pas de soucis d'optimisation et tout. On n'en a pas eu à la démo, on verra. Let's go. Chercher le policier. Je vais chercher le policier. En tant que policier, je dois trouver le policier. On va bien checker s'il y a des trucs à loot parce qu'on est en difficile. Mais où est-ce qu'il est passé? Ah ouais, c'est vrai que les Korbak, ils ont des tailles de dinosaures. Ils sont cahiers, on y est. Oh, t'es un peu plus, j'adore. Bon, tout ça on a vu dans la démo, donc on est en terre connue. Ou en terrain connu. En terre conquise. Ok, il est pudique, mais il est pas obligé d'aller pisser aussi loin. Ouais, j'avoue qu'il en fait un peu des caisses, le mec, quand même. En fait, je crois qu'il est parti chercher des toilettes dans une autre ville. C'est parce qu'il en a une toute petite, ça juge là. J'entends, je vois le chat juger. Pas parce qu'il a des jambes petites que ce n'est pas un homme pour autant. Oula. Faut que je fasse gaffe. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des pièges à loup dans le game. Bon, ça va, le jeu il est bien, il est fluide et tout, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, hein, pour le moment. Ouais, pas de ses jambes, Lox. Mais de quoi donc, alors, hein? Parler de sa petite moustache. Pas vu la démo, moi. Bah, c'est pour ça que je prends mon temps. Comme ça, voilà. Mais celle de Léon est énorme. Sa jambe. Il y a des cheveux parfaitement brillants quand même. Je suis extrêmement jalouse. Ouais, ça c'est pour hanter. Non mais je gêne. Attendez, ça c'est pour hanter ça. Voilà. On est reparti. Y'a quelqu'un? Oui. Ah, ok. Faire plaisir en témoignage risque de se faire couper internet. Ah non, je voulais entrer dans l'autre porte. Je pensais que celle-là était fermée d'abord et qu'il fallait entrer dans l'autre, mais j'ai confondu.
Désolé d'être entré comme ça. Les pièges à joues, c'est Dame Sévie. Ouais. La bouffe est interdite en dehors des heures des repas. Dino, à qui ? Non mais je veux pas passer, arrête de faire clignoter, non. Il me fait clignoter un truc chiant en fait pendant la cinématique, c'est chiant. Pourquoi il me fait clignoter ça? Ah, soupe, la soupe, ah oui. Menu pause pour faire sauter la cinématique, tu gagnes 0,7 secondes logiquement sur speedrun. Un peu plus, là un peu plus, on peut faire en plus le... Le petit pause buffering pour gagner du temps d'animation. Bon moi je ferai un petit montage. Désolé, j'ai coupé la VOD sans faire exprès, j'ai voulu juste remettre ma cam, évidemment les boutons sont à côté. Je collerai tout. Don't touch my Leon. Rip, ouais c'est pas grave, tant pis, je suis ici, je vais être obligé d'exporter, ça va un peu donner de la qualité mais tant pis. C'est ce qu'on paye. Mais oui, mais je mets les deux boutons à côté aussi, évidemment. Bon, là je vois des arbres. Est-ce que je peux les choper? Oh, je peux pas les choper, c'est trop frustrant. Mon couteau. Comment je fais mon couteau? Moi je veux le couteau. Ah, je peux pas. Terrible. Bon, on va regarder la soupe. Mais qu'est-ce que tu mets là-dedans pour avoir ce résultat en fait? En vrai. Hein. Moi je pense qu'il faut mettre du barbelé. Un peu de cailloux. En fait c'est ça, c'est une soupe de cailloux. Vous savez comme c'est une soupe de sable et de cailloux et de boue là. Comme les gamins ils font. Quand ils ont un seau. Et de l'eau, ils foutent nawak dedans. Je pense que c'est ça, mais en plus, ils ont mis des humains. C'est un peu moins enfantin, mais disons que ça dépend de l'éducation, quoi. Ok. Et après, ça va être une super émission Faster Pass, moi. Il y a une fausse sceptique, la soupe. Franchement, je pense qu'une fausse sceptique, c'est encore moins malsain. J'aime bien la manière dont c'est géré. C'est très immersif en fait cette vue-là. Je la trouve plus immersive qu'avant. Non mais le truc vert c'est du poulet alors que tu connais rien en cuisine, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai entendu parler des poulets verts dans un dessin animé. Ou pas. Voilà, mais moi je n'ai pas fait. Dire un plat d'Adèle quand elle boot dans Chef Life. Effectivement, Dieu que c'est bien passé pour nous, pour juger un peu. Ça, ça vaut une Michelin ou pas, ton avis, Dieu? Oh, je peux pas le prendre? Ah si, document obtenu. Je voulais le tourner. Ah, voilà. Amulette grossière, le jugement approche. D'accord. Heureusement que c'est pas moi qui joue, je me marrais à viser toutes les deux secondes pour le petit brouillon. Ah il le fait plus. C'est rien. Oh t'es quoi. Bon, allez, j'avance un peu, excusez-moi, je prends mon temps, mais au moins je vais pas spoiler beaucoup, c'est bien. Ah oui, je peux courir. Regardez, j'ai bien fait de mettre en éclairage plus quand même. Mince, c'est pas là que je voulais aller, si. Je me rappelle plus où est la suite. Ah, mais j'ai entendu crier, faut que je sorte, je crois. C'est pas bon. Ah si, bah non, j'ai chopé la clé, je suis stupide. Excusez-moi.
Je fais la tête ailleurs. La petite lampe torche, merci beaucoup. Mais le rat aussi. Le rat, c'est un lapin, hein. Fait mal à la taille du rat, en fait. Moi qui parle parfaitement espagnol, je dirais qu'il y a écrit « À Kiki sont les snorkies ». Référence culturelle très commune en Espagne. Faut que je fasse gaffe à pas couper ma VOD encore. Mais le flic, pourquoi il est allé là-bas tout seul tout aussi, quoi? Please, why? J'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Faut dire qu'est pas ça. C'est quoi ce bordel? Bon, l'action va commencer. On a une sauvegarde auto. Let's go. Faut que je vise beaucoup mieux dans la démo. Parce que là, bah voilà, ce que je ferais, bah ça va influencer le reste de ma partie, quoi. Hein. Et c'est pour ça que je reste au clavier souris. Je sais pas ce que je vais faire. Quand on pense avoir tout vu. 5 balles. Ça va être compliqué, hein. Je vais voir si je peux récupérer les herbes maintenant. Ah, attendez. Ah ça c'est bien ça, ça me... C'est bien. C'est bien. Ok. Bon c'est pas ici que je trouverai des balles, j'ai l'impression, à moins qu'elles soient dans la ragouniasse dégueulasse qui chauffe. Et je ne pense pas. Un quart de life en moins, ouais. Alors apparemment c'est F hein, pour me libérer. Ils sont deux au moins. Bon, mon coup de couteau, je crois que c'est clic gauche. Mais quand je vise pas. On va peut-être pas y aller tout de suite, hein. On va peut-être essayer de choper des trucs, ça fait du bruit là-haut. Yes. Thanks. Oh mince, cinématique. Ah non, je voulais finir de fouiller. J'avais oublié. Oh non. Oh, j'espère que je pourrai retourner dans le reste de la maison pour essayer de looter des trucs. Je pense pas, hein. Je pense que là c'est cinématique donc c'est foutu. Ici Condor 1. Vas-y Léon, montre-nous tes fesses. La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans c'est pas moi, c'est le chat VOD, hein. Nos infos étaient correctes. Du romarin, bon, oui. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. Mon escorte... Au coupado. Non, je vais devoir me barrer en courant. Ok, je me casse. Sage décision, Leon. Shining. Here's Daddy. Non, ce serait plutôt Here's Zombie.
Quel jeu de mots de fou. J'ai bien fait de répéter ma blague, hein. C'est bien. Bon, bah, je suis un peu... Oui, j'ai pas pu explorer, dommage. C'est pas grave, c'est ainsi. Resident Evil sur Game Pass, mais non, je sais bien que non. Non, t'es pratique. Juste pour faire peur aux gens qui ont payé 70. 70, c'est pour le... Le Deluxe, où t'as des super skins de fou. Et une carte au trésor. Le jeu de base me va bien. Déjà pas mal, déjà assez cher. Regardez, regardez la taille du Korbach. Théma, la taille du Korbach, il est immense. Moi je pense qu'à un moment, ils pourront faire comme les oiseaux dans le Seigneur des Anneaux et me transporter loin d'ici et me sauver. Et du coup, je les tue pas. Vous avez créé des ptérodactyles? Faut que je fasse quoi pour interagir? Faut que je fasse F, je crois. Oui, tout simplement, tout simplement. Ok. La poudre noire, on va pouvoir faire des balles. Ça tombe bien, j'en ai plus que 5. Petite série. Une mallette est ajoutée au menu ma mallette. Ah ouais, ma mallette. La poudre noire est ajoutée au menu ma mallette. Permet de sauvegarder votre progression. Elle dispose également d'un menu coffre où vous pourrez stocker vos armes. Let's go. Let's go, on sauvegarde. Ma mallette. Moi, je veux voir ce qu'il y a dans ma mallette. J'ai des munitions. Porte-bonheur munitions. Oui, oui. Ah, d'accord. Fréquence du bonus de création de munitions. Ah bah... Mettre à gauche. Ah ok. C'est un bonus, incroyable. Ok, je veux ouvrir ma mallette. Changer de mallette. Voilà, j'ai une mallette dorée, c'est génial. Ah ça c'est bonus préco, attention. Du coup avec ça, j'ai fréquence de bonus de création. Fréquence du bonus de création de mission de pistolet. C'est-à-dire qu'on a deux bases, un bonus possible quand on crée des munitions, ok. Le Korbach, c'est des hippogriffes. Juste, d'accord. Crossover chelou. Mais bon, manque de budget chez Capcom. Oh, bon, au contraire, hein. Ça rapportera des thunes, hein. Ma mallette, j'ai un lion nudiste dans mes plisses. Je préfère la mi-molette. Merci beaucoup. Ça marche plus à l'oral qu'à l'écrit. Léon nudiste. Ouais, c'est... ouais. Ok. Pas de soucis, hein, pas de soucis. Je vais moins lire le chat là maintenant, je crois. Du coup, dans le coffre, c'est ma mallette. Ça, c'est les porte-bonheur. Ah, le coffre, il est à gauche. Je suis stupide. Ah, c'est pas un jeu de mots. C'est un jeu à boire. De dire dans ma mallette j'ai un léon nudiste. Ok, ok, très très axé Capcom comme jeu à boire, mais je respecte. Ça ne ressemble à rien, mais là ils prend quand même le temps de nous juger. Oui, en fait c'est la seule chose que je peux faire. J'entends courir. Hein. Est-ce que je peux crafter déjà? Non, je peux pas encore crafter quoi que ce soit. Hein. C'est pas grave. Ah si, je peux crafter. Si. Attendez.
Non, oui, c'est vrai. Il faut un paquet de Malteser pour pouvoir crafter là, j'ai que la poudre. Ah, c'est eux. Eux pour s'accomplir. Chelou, chelou, bon. Pourquoi c'est pas contrôle? Pas trop de bruit, pas trop de bruit. On est pas ça. Ça. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Ouh, merci beaucoup pour le raid, Kilo. Oh, je pouvais lui mettre un high kick. Oulala, 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 oulala. Avec la taxe. J'ai essayé, je pensais que il aurait moins de vie que ça. Chier. Ah, faut que j'achève. Quand j'étais petite, quand j'ai découvert le jeu, je pas en hardcore. Merci beaucoup Tilo et merci pour le slash ou tout. Salut. Salut Papinas. On est tout début du jeu. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Ici qu'on donne son âme, s'il te plaît, oui. Un jeu qui fait peur, mais non. C'est stressant, mais c'est pas très effrayant. Il n'y a pas trop, y a pas vraiment de screamer ou alors des traits téléphonés. Ah merde, mais je savais en plus qu'il y en avait un là. Oh mais je vais mourir. Bordel. I'm gonna so die. Je crois que je t'entends pas toi. Ça marche votre avis? Ça marche pas. J'ai goûté. Là dans ta gueule. Oh, oh je l'ai OS. Ouais. Léon il est tout souffrant. C'est ma faute, c'est moi qui joue mal. Grenade aveuglante. I take it the grenade aveuglante. J'espère que ça s'est bien passé sur Apex, petit Gillo. L'informatique dans ce jeu. Non, non, c'est que Bibok il aime bien nous voir jouer à Deceive. Du coup, bah, il est à fond dedans. Alors, on va crafter des trucs. Fabriquer des objets. Certains matériaux comme la ferraille, la poudre noire et les couteaux peuvent être utilisés pour fabriquer divers objets. En mettant la main sur des formules d'artisanat, vous pourrez fabriquer de nouveaux types d'objets. Il faudra faire des esprits. Les herbes rouges augmentent la quantité de vie récupérée, tandis que les herbes jaunes augmentent votre jauge de vie. Vous pouvez mettre une arme en raccourci en sélectionnant... Bon, là, c'est exactement dans le menu du jeu. Il est possible d'assigner jusqu'à deux armes. Ok. Bah, pff, ça va être ces deux-là. C'est ces deux-là pour le moment. J'ai un spray de premier secours. Je vais peut-être l'utiliser tout de suite. Hein. Et je vais en crafter un autre. Je peux pas encore faire ça, mais je peux faire ça. Donc, on le fait tout de suite. Ah oui. Et ça, comment je les mets du coup? Ah bah non. Ah non non non, calme-toi, calme-toi. Ah oui d'accord, c'est en deux. Ok. Le spray à l'intégralité de votre vie, non je vais pas le prendre, je vais prendre celui-là pour le moment. Est-ce que je peux mettre ça en raccourci, genre? Tiens. Ok, ça va mieux. Il n'y a pas de point de sauvegarde ici, j'ai l'impression. Bisous Hémoglobine Dark, très bonne nuit. Plus tu joues un beau gosse, tu peux pas avoir peur, effectivement. Oh bon, le beau gosse, j'ai l'impression que j'en ai mis plein la gueule sans faire exprès, quoi. En essayant de me battre au couteau, c'était pas malin. Hardcore, t'as pas du tout souvert, tu vas finir le jour entier. C'est pas free. C'est quoi qui est tombé? Une tête, c'est vrai.
C'est l'autre copain flic. Il y a du monde, il y a du monde. Au moins, je suis pas repéré. Mais. Et toi, tu vas me faire. Tu vas me faire repérer le saut. T'aurais pu intervenir pour lui se vénérer. Bravo le héros. Bien sûr que non, j'étais en cinématique. De toute façon, en vrai, je l'aimais pas trop. J'ai puté une vieille, je suis même pas sûr que ce soit une zombie, hein. Let's go. Il est là pour avoir une coupe de cheveux impeccable, c'est vrai. C'est essentiellement ça qu'on lui demande en vrai à Léon. Leon S. Kennedy. La pauvre fermière, ouais, c'était gratuit, ouais. Oh, c'est dans le doute, quoi. Hein. Ok, ça va là, y'a personne. Moi je fouille, hein. Oh, mais ça va être trop chiant, si je meurs, je vais être obligé de me retaper tout ça. Bon. Faudrait que je déclenche l'événement, mais je suis pas pressée. D'autres. Je crois que j'ai révélé que j'étais dans le coin. Non, ça va. Ah mince, j'aurais pu avoir le truc, mais j'ai pas réussi. Oh non, une vache! J'espère qu'ils vont pas buter la vache. On va essayer d'économiser les balles, hein. Allez, kick dans ta mère. Je vais dépasser ta... Je vais essayer de dire... Non, non, non! Oh les sans-poirots, tchon! Aïe, quitte dans ta merde aussi! Pardon, pardon. Cul-de-sac, cul-de-sac, je me suis fait cul-de-saquer. Pas faire ça.
Faudrait que je puisse sortir. J'aimerais bien pouvoir mettre un high kick, mais je peux pas. J'arrive pas à mettre un high kick. J'essaye juste de mettre un high kick pour me libérer, mais je peux pas. Ça, c'est trop contextuel. Mais je peux pas courir, je peux pas m'enfuir en fait. Là je suis trop giga blocax. C'était Oh ça va être un peu long. Ça va être un peu long, faut pas que je me coince. Je pensais que c'était cette maison où j'avais vu une fenêtre et c'était pas celle-là. Pour pouvoir m'enfuir de l'autre côté. On est pouvoté avec une tronçonneuse. Ah bah yes hein. Ah bah let's go hein. L'admirateur qui débarque. J'aime les tronçonneuses. Moi j'aime les tronçonneuses. On meurt. Voilà quand on sauve pas. Non mais je... C'est pas parce que j'ai pas sauvé le flic. Enfin bref, si j'avais sauvé le flic, je serais morte. Pareil enfin. Mais plutôt. On va fouiller tranquillou. On va la tuer elle. Attention la poule, tu fonces dans un mur. Je vais peut-être tout de suite me crafter des balles. Oh non, j'ai pas de ferraille. Ah, ça veut dire que ça allait être worse qu'il y a ici. Oui, à toi. Foudre noir, mais j'ai pas de ferraille. Bon, et ben tant pis, hein. C'est match d'eau. Bon, on va essayer de commencer l'event en étant dans un endroit dégageant. On va en faire par là, ok. Punaise la vieille. Il y a une herbe. J'ai quelques fans là. Je sais pas s'il faut que j'en tue quelques-uns, mais je crois que c'est juste timé. Les poules, ce qui est bien, c'est qu'elles sont tranquilles, genre c'est habituel pour elles. Ah, je l'ai prise, oui. Butez pas la vache, hein. Bon, c'est pas grave, on s'est évité. C'est une strat. Je pense qu'on va juste attendre. Il me semble que c'est juste à aimer, mais c'est peut-être des petites. Oh le bâtard!
Ouais, c'était ça, c'était timé et je suis juste à côté, c'est génial. Joli regard. Ah non. Mais putain. Ouah, je prends cher. Oh mais mince, j'ai pas combiné. Attendez, on fait ça tranquille en combat. Je sais qu'on pouvait monter, mais je sais plus où. Ah, elle m'a mis un coup de poing. Mite. Mite. Oh non, je peux pas. Fonce, 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 fonce. Fonce, bro. Fonce, 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 fonce. Ah, je peux pas, ça marche pas. Ah. C'est dur et pas dur ce passage. Vache. La fourche dans le dos, ouais. Ça va faire un prochain coup de hache, oui. Il lui a refait un peu autre chose là. Là, il lui a littéralement refait la façade en fait. Finir par avoir toutes les morts possibles, effectivement, hein. Oh, c'est... putain. Je me suis mis en difficile. Mais c'est ce genre de passages qui sont très chiants. Faut juste survivre. Là j'ai de la farine. On avait pas eu tout à l'heure, on est d'accord? D'accord, on est d'accord. Quand même un super entraînement de militaire ultra badass pour se faire tuer par René et Cunigonde. Et que dans un village de la Creuse, bah ils sont un peu 20 ou 30 voire 40 en fait. Effectivement, hein, vous avez un mec avec un petit flingue face à 40 types qui veulent le buter. Je vous garantis que le petit flingue il fait pas long feu. Hein. Il tue quelques-uns. Des mecs, surtout des bon bah voilà, 40 villageois qui ne meurent pas d'une balle dans la tête quoi. Ce qui est quand même pas pratique quand on essaie de survivre. Je veux pas faire ça, je me suis trompé de touche. J'ai perdu de la vie, GG Lox.
Les zombies à qui tu colles 10 balles dans la tête, bah c'est ça, hein, quand même. Je veux dire, bon, faut avouer que la survie est quand même plutôt en leur faveur qu'en la mienne. Hein. comme eux-mêmes, hein. Bon, faut juste courir. Faut pas... Putain. Oh, je me suis fait... Ouh, j'ai essayé de faire un truc au moment où elle m'a chopé. Je crois que ça a marché. J'essaie pas de savoir où ils sont. Ils sont juste derrière moi, c'est tout ce que je sais. Ils sont derrière moi. L'inceste a du bas par contre un coup de pied. Coup de pied tu peux le faire qu'une fois qu'il a un certain level de PV. Et ça le tue pas forcément. Mais putain. Pourquoi? Allez. Merde. Pourquoi on n'a pas mis un maître du kung-fu? J'avoue ça pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont autre chose à foutre hein. En vrai hein, t'es un maître du kung-fu tu vas pas là hein. Flemme hein. Après c'est juste pour le stun un petit peu. Ah, je pouvais pas lui mettre, non. Ah non. Ok, je prends tant pis. Je sais pas, clic gauche c'est clic droit. C'est bon, je me suis mis du déo. Is ok. Oh non. Allez on passe par là. Allez, on passe par là, je t'en supplie. Merci beaucoup. Allez. Des events de 4-5 minutes en général. Ne lance pas ta hache toi. J'ai plus de couteau. C'est bon là, normalement c'est fini. De Léon pour moi. Je le ferai jamais aussi bien que toi. Tenemos que servir. Al Lord Sadler Todopoderoso. C'est une cloche en scénarium, exactement. Ah t'as ça dans... Bah je sais que t'as ça aussi dans Resident Evil Village. Où t'as très très tôt une scène comme ça timée et où pareil y a un truc qui les rassemble les zombies. Et alors c'est des lycans dans Resident Evil Village. Et qui fait que d'un coup... Où est-ce qu'ils vont tous? Y a une fête. Ils se réunissent. Ou ils se cassent. Resident
evil. Ouh là là. On va pouvoir fouiller. Quel début quand même. Quel début. Oracle. Ah non, agent. Cherche un grand moulin avant. Il y a un chemin de l'autre côté. J'ai failli mourir et tu t'en fous. C'est noté. Mon dieu, mec. Sois prudent. Terminé. Ok. 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 Ah, j'ai plus de couteau. C'est terrible. Faut que je me recrafte un, je crois, non? Il me semblait que ça, il n'y avait pas avant. Voir la carte. V, évidemment. V comme garde. V. Si vous vous perdez, pensez à consulter votre carte pour vérifier votre position et vos objectifs. J'y penserai. En ayant une carte au trésor, vous verrez également où se trouvent des objets de valeur cachés dans la zone. Ouais, ouais, non, Oracle, mauvais jeu, mauvais jeu. Faut que j'aille où? Ah, TG, direct, super. En fait, je vois pas mon objectif. C'est là? Oui, c'est là. Tiroir verrouillé. Effectivement, je m'en rappelle. Je vais voir si je peux me crafter un couteau, mais avant, on va fouiller. Hein. Ah, W870. J'aurais pu utiliser ça, mais non, mais c'est gâché vu que c'est un événement timé, donc j'ai bien fait de pas utiliser ça. Les balles de popon. Non, je voulais le mettre, je voulais équiper en fait, comment je fais? Ah, il y a un tri automatique. Non. Mince. Je peux me mettre là, genre. Ah oui, d'accord. Je vais mettre en deux. Et ça, je vais mettre ensemble. Couteau, comment je fais? Examiner. Il semble réparable. Punaise, faut réparer mon couteau. Comment je répare mon couteau? Ah, j'aurais dû atterrir ici quand je faisais ma fuite, mais bah, j'ai pas fui comme il faut. Des sauts comme ça. Heureusement que t'es beaucoup trop badass. Ici, du coup, bah, c'est ce qu'on vient de fouiller. Je vais continuer à fouiller tous les coins que j'ai pas pu fouiller parce que c'est bien de fouiller pour avoir des objets. C'est quoi qui fait du bruit avec une chaîne là? Ah, c'est ça. It's ok, it's ok. Badass, faut vite le dire. Bien sûr qu'il est badass. Il a fait une roulade et tout sans même que je lui demande. Bien sûr qu'il est badass. Ah, ça se critique tout de suite, hein. Faut-tu te débarrasser de 4 zombies? Ils étaient au moins 1 million. 1000 millions même. Et j'en ai tué au moins 1000. Y'a
La pesetas, je peux pas m'en servir comme, je sais pas, ferraille. C'est de la ferraille en fait. Que nenni ici. Ok. Je sais que souvent on trouve des trucs sur les bestioles en les butant, mais je veux pas. Parce qu'ils ont déjà connu assez de soucis comme ça, les pauvres. Œuf de poule. Eh, le jeu, il est content que j'ai trouvé cet œuf. Il me met un petit écran et tout en mode « Attention, tu as trouvé... » Un œuf de poule. Cute. Là-bas, il y avait d'autres trucs à loot. Attendez, j'y retourne. Voilà, ça, je m'en rappelle. J'espère que je pourrais sauvegarder après tout ça, parce que ça me saoule de... ça me saoulerait de devoir encore tout looter, parce qu'il y aura un petit mob que j'aurais pas vu qui me butera jusqu'au décès. Ok, on est pas mal. On récupère un shotgun, tu feras les cartouches. Ouais, ouais, non, mais je l'ai, le shotgun. He's okay. Voilà. Mais j'ai pas beaucoup de cartouches, effectivement. Mais j'ai de la ferraille ou pas, moi? Parce qu'on va essayer de faire des cartouches. Ah, il m'en faut, oh, il faut beaucoup. Mais j'ai pas de ferraille. Ben, dis-donc. Ça, on va le faire. Ok, ok. Œuf de poule brun. J'ai à peu près fouillé, je pense. Hein. On va pouvoir se barrer. Je veux pas rater de trucs importants, mais... Ah oui, il y avait la carte. Mais non, mais on a la carte. On a la carte et c'était quoi? C'était vie. Là, la porte est verrouillée et là, c'est verrouillé. Et là, c'est quoi? Il y a un truc que j'ai loupé? Où ça? Ah, mais ici, il y avait peut-être un escalier que j'ai pas vu. Mais oui, je n'ai pas vu. Il est chialant. J'ai pas vu, c'est chialant. Let's go le géranium. Let's go les filles cassées. C'est pas grave Léon, c'est pas grave. On a rien vu, on a rien vu. Tu restes toujours flamboyant. Bah du coup je peux plus le récupérer. Je suis dans la sauce. Pas tout de suite, hein. Et là... Là, c'est good. Ah, ici, non. Rubé, 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 rubé. C'est déjà bien, c'est déjà bien. C'est bon, on se tire. Non, je sais pas. Là maintenant cette porte est ouverte, c'est ça? Attends, 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 je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Je m'attendais pas à y aller direct en mode YOLO. Comme ce qui pète une durite. Non, 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 tu m'as pas vu sur Elden Ring juste avant. C'était vraiment ça, péter une durite, et encore, c'était gentillet. Je te promets que je peux faire vraiment très beaucoup pire. Là, c'était poussé à chaussette. Et du coup, ok. Je peux pas sauvegarder quelque part ici? Ça me le dit sur la map, j'imagine, non? Ouais. Je refasse tout ça. Flemme, hein. Bon, on va y aller, on va voir. On va le faire, on va le faire.
J'ai très confiance. J'ai l'impression de te faire peiner, mon petit Léon. Tu chauffes ? Tu veux pas trottiner, on trottine pas, on marche. Il n'y a rien ici. Oh, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait un truc. Genre un bazooka infini. Allez, on se casse. Le voilà. Quoi ? Le voilà qui... Ah, le moulin ! Pardon. Je cherchais des branches. Encore ? Oh non, c'est le même, je suis stupide. Oui. Je pensais que parce qu'il y avait un petit truc là, ça voulait dire que j'ai quelque chose, que j'avais quelque chose, mais non. Dans mon coffre, j'ai quoi ? Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Ah, les œufs, ils se stackent pas. Je vais mettre un œuf. Non. Non, mais non. Non. Non, pas jeter. Je vais mettre dans mon coffre. Je peux pas. Je peux pas mettre un œuf dans le coffre. Bah, c'est bizarre, en fait. Bah, c'est quand même un petit peu bizarre. Je vais déposer mon couteau de combat pour le moment, il me prend la place pour rien, quoique si je peux le réparer bientôt, je serais deg de pas l'avoir, donc non. Voilà, j'ai changé beaucoup d'avis. Ça, je dois jouer... Non mais c'est chiant, il y a plein de trucs que je peux pas mettre. Un peu chiant quand même. Attends. Voilà. La petite musique de safe-itude. Non. Je suis sûr qu'il faut que je tire dessus. Je peux le faire maintenant. Celle-là, elle est solo. On s'en occupe. On s'en occupe pas. J'ai pas de couteau, je peux pas faire tellement de choses. Œuf de poule, mais pas brun. Je pense qu'il y a encore mieux. Parce qu'il est tout étincelant. Ouais, ça faut que je les pète avec mon couteau là. J'ai pas de couteau. Vous poussez ? Allez, on dégage. Oh non. Je me suis fait victimiser par une vache. Mais elle me gênait. Elle m'a mis midlife. Ouais. Ramasse ça, ramasse le couteau s'il te plaît. Mais elle aussi, c'est une vache zombie, regardez ça. Il faut que je répare mon couteau, là. Il
sens de chaque étude. Mais non, mais c'est bien, ça va. Is ok, is ok. Allez. Non. Non. Bon, je sens moyen ce qui se passe là-dedans, moi. Une clé en forme de cul de chat. Et c'est tout. J'avais pas d'objet à côté. J'aurais bien aimé. Pour être tout à fait honnête. Ah, une petite note bleue, tiens. Les requêtes que vous voyez, une affiche bleue. Récupérez-la pour vous occuper d'une requête. Mais oui, mais c'est en rapport avec les attrape-refs qu'on voit un peu partout. Pour retrouver les requêtes en cours, pas les croquettes, dans le menu document. Pour l'amour du ciel, pour l'amour du ciel, quelqu'un peut-il nous débarrasser de ces médaillons bleus? Ok. C'est juste ça? J'ai même pas de l'or à côté, non? Bah je veux bien, mais il me faut un couteau. Parce que faire ça, je peux pas faire ça au coup de pied. J'avoue que ça m'emmerde d'utiliser une balle à chaque fois, quoi. Qu'est-ce que ce bip? Heureusement que ça bip très fort. Sinon j'aurais pas vu l'immense fil à la hauteur de ma gorge. Et un peu chaud, là. Qui crie? Pourquoi ça crie encore partout? Un zombie ça crie pas, ça a plus trop de cordes vocales d'ailleurs. Pas des Il va falloir que je répare ça. Il manque effectivement quelque chose, oui. Gaspillage un petit peu. Allez, je vais réparer mon couteau, je supplie. Il y a un truc en dessous, ça va bien me faire plaisir ça aussi. Bon bah, tant pis. Un médaillon. Je m'en doutais quelque peu. Oh là 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 là. La vache. Rigolo ça. Faut shotgun. Oh non! J'ai pas vu. Oh les vaches, elles me poncent dessus! Oh non, mais c'est le dieu des vaches! Fais chier! Ok. Mais je comprends pas. Et le shotgun, il est là. Attendez. Je vais essayer de faire ça bien. Je vais essayer de faire ça en utilisant le raccourci. Je sais pas où il est le raccourci. Il est là le raccourci. C'est deux. Alors t'as tué ton pote, loser.
Non, mais attends, j'étais en fin d'animation, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, je suis morte. Hey. Oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je sais pas si j'ai une sauvegarde auto, je crois pas. Je crois pas. Si, ok. Ça va. Rip. Semblerait. Oh, Spinel hein. Mais du coup, les loots sont aléatoires alors. Bah, toi, j'ai pas de couteau donc go. Hein. Quoi? Ouais, je vais peut-être faire tout de suite du plus bon. Et prendre un soin, ça met quoi? Restore. Ah si, quand même. C'est ça qu'il me fallait. Ah, dommage. Ok. Bleu velours. Quel joli nom. Enfin. Non, 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 faut que je me tire. Bon, couteau de cuisine, c'est cool. Mais du coup, mon autre couteau, il me sert à rien dans mon inventaire. Vu que je peux pas le réparer, actuellement. Faudrait que je le mette dans mon coffre. Bon, j'espère que je vais pas me faire bolos encore par une vache. C'est un peu humiliant. Peut-être fouiller maintenant que la zone est un peu vidée. Il faut que je fasse les petits médaillons. On va faire les petits médaillons, on va faire les petits médaillons. J'ai failli oublier. Bah déjà, il y a ça. Et là, il y en avait peut-être un. Non, c'était pas ici. Je peux l'avoir au couteau? Oui. Je m'arrange de pas avoir à dépenser des balles pour ça. Je peux sauvegarder ici. Mais oui. Ah, j'ai un petit couteau à la con et j'ai mon grand couteau. L'autre, il va se casser définitivement, je pense. Ok. J'ai plein d'œufs. Ça me donne faim. Ah, oh, il peut enjamber sans que je lui demande. Ça, c'est cool. Là, il va avoir du truc, là.
Mais pas du tout. Oh, un puits de merde. Pour l'engrais. Ça peut se tenir hein, comme strat. Hein. Ça va être dégueulasse, mais ça se tient. Hein. Un puits de caca, oui. Il y a littéralement un puits de caca. Comment c'est possible, je ne sais pas. Chaud hardcore, ouais, bah je l'ai fait. J'ai fait le 4, bon, il y a très longtemps, du coup, sur la Wii, quand j'étais plus jeune. Ils disent pour les joueurs qui ont déjà joué. Je fais ok, j'ai déjà joué. Donc voilà. Ah, il y a un coffre ici. À votre avis, je peux passer par où? On va faire le tour. Bon, la zone est nettoyée, ça va peut-être pas durer, donc on en profite. Hein. Ah, mais c'est là. Mais là, je peux pas. Et là, je peux. Est-ce que je peux le casser comme ça, genre? Oui. J'étais pas sûr. J'avais vu beaucoup plus de trucs à casser, moi, la dernière fois. Il y en avait un. Mais non, mais c'est pas ici. Mais c'était où? Attendez, je me perds. Ah, peut-être bien par là. Oui, ça devait être plutôt par là. Mais je viens, en fait, exactement de par là. Voilà, voilà. Du coup, non, c'est pas par là. Mais c'est si minuscule que ça. Ah, mais on le voit d'ici. Bah alors? Bonjour, emballé. Alors, tu me défonces pas la gueule. Et du coup, ça m'indique sur la carte. C'est un peu dommage. Ah bah oui. Ah bah non, je voyais du bleu. Si je regarde marche sur la carte aussi. Mais cette zone-là, est-ce qu'elle m'est ouverte? Mais de là-haut, ok. Let's go. C'est fermé. Non. J'ai failli louper ça. J'ai envie de... En fait, je fais espace à chaque fois pour monter. Ça marche pas. C'est super efficient. Ok. Ah oui, elle est là alors. C'est ouvert ou pas? Oui! Ah bah j'accède au coffre, nice. Bon, on y va. Un pichet. Combiner des trésors. Ah d'accord. On peut voir les trésors que vous avez récupérés dans le menu objets clés et trésors. Certains trésors peuvent être vendus plus cher si vous y insérez des pierres. J'en ai trouvé en plus. Mais une pierre reste une pierre, Pierre. La ferraille, je peux me faire des bols. Combien parce que je gaspille pour casser des trucs. Du coup, ils m'ont dit quoi? Bon, on va faire un soin déjà. On prendra moins de place en plus. Je fais clic droit, je pensais pas que ça quitterait comme ça. Est-ce que je peux faire des balles? Les normales, oui. Mais pas des balles de peupon. On va attendre de pouvoir les faire, il me manque plus que deux. Et objet clé, c'est là. Ok. Pourquoi pas. Et ça, c'est quoi? Objet destiné à être vendu.
Ok. Je vais sauvegarder et je les ai tous fait les trucs. J'ai pas trouvé la clé après, mais bon, on sera peut-être après. On va sauvegarder et on va mettre la le mécanisme là. Je refais un petit tour hein, au cas où il y a moyen qu'il y ait un endroit où il y avait une clé. J'espère que c'est pas dans le caca. Pour la porte, enfin le, je sais pas, le coffre qu'on a vu. Mais je pense que c'est une clé en scénarium, donc je pense que c'est, voilà, c'est là. Ce petit coffre m'attire pas mal. Mais bizarrement, je pense que ça ne va pas marcher. Un scénario, tout à fait. Le scénario il décide. C'est pas moi qui décide. De toute façon, c'est pas moi qui décide. Ok, je vérifie, c'est tout. Il boite ? Il est pas full ? Ah non, il est pas full. Je sais pas si je suis full life ou pas. Mais je pense pas que je trouverai ma clé là-bas, moi. Regardez ici, j'ai pas trop de check. Tout à l'heure j'avais oublié un truc d'ailleurs. Ah, il est sorti par la bite celui-là. Merci Lotus en 91-94. Merci, bienvenue. C'est très gentil. Bienvenue pour cette découverte ou redécouverte de R4. À la base je venais juste tuer des Espagnols, il se trouve qu'ils... Bah désolé l'ami, hein. Mais c'était gentil de me follow. N'hésite pas à rester, malgré tout. J'espère que je pourrai récupérer ma clé plus tard, moi. Hein. Petit roller, mais... Regarde s'il n'y a pas des trucs... Je sais pas, des trucs qui pendouillent là. Et moi j'ai fait toute ma... J'ai fait ma quête là. En document. Completed. D'accord. Et ça me sert à rien. Du coup, de completed. Si quand même hein. Sinon, disons que ça me fait casse-pied des balles quand même hein. C'est le remasterisé. Ah oui, tout à fait. Il est sorti aujourd'hui. Il est tellement plus flamboyant. Après, je vais voir au niveau des graphismes, je suis à combien? Résolution 4K. Ah oui, carrément. Bon, il a fait d'après les spécifications de mon PC. Je fais confiance. En élevé. Je suis peut-être pas en ultra, je suis en élevé, mais bon, je préfère la fluidité. Niveau de qualité des mèches. Oh, j'adore quand il te montre ce que ça fait. Je vais mettre 2-3 trucs flou lumineux. Oui, j'aime bien le flou lumineux. Quantité de cadavres à l'écran. Oh, pff, pas besoin d'en avoir 1000. Ok. Mmh.
Je veux rien louper. J'ai déjà loupé des trucs, c'est sûr. Ça me stresse un petit peu. Dans ta gueule de tonneau. Un forastero. Ah non mais je pensais que vous étiez parti. Mais d'accord. Oh mince. Ok, ça va, j'ai pas trop gaspillé. Ça va. Parce que je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de les tuer? Est-ce que juste je rush pas pour économiser? Mais non, jouons le jeu. Tu veux pas mettre ta lampe, l'ami, s'il te plaît? Il la met automatiquement, je peux pas choisir de mettre si je fais L. Non, ça fait pas. Ce bruit. Ça me craint d'acouphène. Bon voilà, c'est ça le bruit. Il est où? Ah ça marche pas. Hein. J'ai l'impression que ça ne lui fait rien ce que je fais. Vous désamorcez? Oh oui, merci. J'ai trop envie de gaspiller là. J'ai cherché la merde. C'est très graphique. J'avoue là, j'ai cherché un peu la merde. Oupsie. Ah ouais, ah non ça va. Juste là, ok. Tu allais trop vite, je me déteste. Je vais le laisser me tuer. Ah, ça me saoule. Oh non, je suis allée trop vite, mais oui, parce que les animations, elles mettent un peu quelques temps à s'arrêter en fait. Du coup, tristesse, trahison et disgrâce. Ils sont quand même vachement moins dégueux que plein d'autres zombies, hein. Je veux dire, ils sont très humains. En même temps, c'est vraiment des zombies. J'aimerais bien faire venir eux. Comme ça, ils sont trop deg. Ça va pas marcher, ça. Tant que je les amorce pas, ils s'approchent pas, c'est ça. Ah si! Je peux juste faire ça. Je me regardais même pas. Mytho va. Oh non, mais hey, stop là. Faut que je m'en aille là. Ils peuvent. Tiens, loser. D'accord.
tue-le. D'accord, ça ne marche pas. Impossible. Ah. Il est où mon truc crafté? Ah, il est là. Du bruit là-dedans. Ah, c'est toi que j'entends. Bah, ferme un peu, hein. Et le laisser. Juste tout pour voir s'il y a des trucs. Ok. J'ai l'impression qu'elle est très proche, mais elle est au-dessus de la palissade, hein. Pas si proche. Ok. Bon. Je voulais qu'elle fasse tomber sa grenade, mais tant pis. J'ai à peu près fouillé ici. Je vais check, quand même. Genre le bâtal. Il y a R. Genre ici, il y a R. Genre ça, je vais pas utiliser une balle. Les pieds, j'ai l'air un peu de flotter quand même au-dessus de... Ouais, il flotte complètement en fait. Dommage, techniquement, il est un peu en deçà de ce qu'on pourrait espérer. Quasiment plus de couteau. Mais bon. Là, j'y vais pas encore. Je vais d'abord... looted. J'ai plein de thunes, hein. Je suis à l'aise financièrement. On va passer ici et je crois qu'il faut... Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, ça tape là-dedans. Peut-être ici où... En fait, c'est là où le jeu nous mène et on... Pas bien compliqué. Ah, mais ici, avant... Mais ouais, faut que je loot là-haut. Toujours pas. Mais de toute façon, faut que je loot. De la ferraille. Ah, ça c'est cool quand même. Ça c'est très cool. Je pense que je peux me faire des balles de peupon, mais je suis pas sûre. J'espère que le jeu il est pas trop fort. Ou assez fort, ou voilà. Ah, mais il y a encore un hôtel comme ça, mais. Pourrais-je un jour les ouvrir? Sauvegarde auto. Oh! On va voir Ashley, non? Déjà, non? Il me semble que c'est ici qu'elle est. C'est elle qui tape. Cet endroit me rappelle bien quelque chose.
Non, je suis pas sûr en fait. Non, non. Oh, peut-être pas là, vu le cri qu'on entend. Ah, si, peut-être. Ah, je sais pas. On va avancer puis on verra. Ça rappelle une scène en fait où on est dans une maison et où on se fait attaquer par, c'est encore un événement, par plein de zombies. Il faut résister en mettant des trucs comme ça partout et tout. C'est quoi ce bruit? Et c'est un allié, c'est sûr. Mais je sais plus comment il s'appelle, le gars qu'on croise et qui nous aide. Je me rappelle plus. C'est un local. Ah non. Mais c'est dedans, il y a Ashley. J'ai cassé mon couteau. Ça fait longtemps, je me rends compte que je me rappelle vraiment très mal. Hein. Mais je dirais que c'est Ashley ici. Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler. Perspicace, señor. Et t'as pas une clope? Mais bonjour d'abord. Non, je tiens à ma santé. Ok. Tu peux me détacher au moins? Oh, mais manquez plus que lui! Et moi, elle avait pas un accent espagnol? Il y avait un accent espagnol, il me semble, dans la version, dans la VO. To the nuke. No. Chapitre terminé. Arrêtez la VOD ici, des bisous. VO.